Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live pour la découverte d'un nouveau jeu, on continue notre un jour un jeu de septembre avec cette fois-ci un nouveau roguelike, light, un des deux, vous choisissez, Undermine en accès anticipé que j'avais découvert en regardant un live de Cobalstreak et j'avais beaucoup aimé regarder le jeu. Est-ce que je vais beaucoup aimer y jouer? On va voir, c'est parti, play! Qu'est-ce que ça va donner? Déjà c'est joli. On est dans une mine, donc de base, c'est bien. Pipa. Alors, oui, le jeu est en anglais, accès anticipé, mais le français arrive très bientôt. Ils ont fait une annonce genre aujourd'hui ou hier, ou je sais pas quand. Donc, le français devrait arriver très très vite. Bomb tools lay on the table. Mais là, il n'y a rien, là. I'll warp you here if I have to. Donc, je peux aller sur un autre endroit. Bonjour. Peasant, j'ai une tâche importante pour vous, paysan. Comme vous l'avez remarqué, il y a de terribles tremblements de terre dans cette mine. J'ai besoin que vous vous enfonciez dans la mine pour trouver la source des tremblements. Il y a autre chose. Notre forgeron a disparu. Et sans lui, la forge ne fonctionne pas. Si on veut aller plus profond dans la mine, on a besoin de quelqu'un pour forger du nouvel équipement. Trouvez le forgeron et la source des tremblements. Maintenant, barre-toi, paysan. Prends cette clé et débloque l'entrée de la mine. Ne me déçois pas. Ok. Pick up. Artifact discovered. J'ai découvert le journal. C'est pas là, c'est là. Ok. Donc, le principe de ce que j'ai vu en live, on va faire des runs, on va débloquer des upgrades pour améliorer les runs d'après. Le but, ça va être de choper de l'or. On va garder une partie de l'or quand on meurt. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Voilà, voilà, voilà. Hop. Alors, garde ce journal avec toi. Réfère-y-toi. Vous avez compris. Si tu cherches une réponse à ta question. Eh ben, allons-y. L'arrogance en direct, fais-lui manger sa barbe. Donc là, il y a un panneau vers la forge. Mais il n'y a point de forgeron. Donc il n'y a rien du tout. Alors B, c'est les bombes, ça dit 0, on a une clé. Ah, je peux frapper. Toc, toc. Va-t'en ! Ce laboratoire est fermé. Va-t'en ! Ok. Bon, apparemment, pour le tout début... Ah, attends, il y a un truc écrit là. Ah, d'accord, dégage. Ok, on unlock et on peut y aller. Est-ce que je vais mourir dans les 2 secondes ou pas ? Alors, comment ça marche? Ok. Donc ça, c'est pour les bombes, mais on n'a pas de bombes. Et donc, on peut lancer son machin. Oula, ça va vite, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pressez A pour jump. Oh, c'est bon, je suis pas tombé. Tout va bien. Tout va bien. Tiens! Oh là là, ce que je t'ai mis. Je peux rien faire, hein? Non. Ça, qu'est-ce que ça dit? Après, c'est X pour attaque. Je peux casser le panneau? J'ai défoncé le panneau. Je peux casser les petits champignons? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la lumière, elle a changé d'un seul coup? Je ne sais pas ce qui... Attends, est-ce que... Ah, mais j'ai cassé la lumière! Ah, mais attends, je peux pas casser cette lumière-là aussi? Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Ouais, c'est pas sûr. Donc là, on a une clé. Ok. Alors, comment fonctionne si je mets là? B pour lâcher une bombe. Eh, hey, il m'a redonné une bombe. Et là, j'ai une clé. Et là, je peux regarder. Et j'ai trouvé a key ring. Et du coup, ça m'a donné une clé en plus ou ça m'a donné quoi? J'ai défoncé. Ok, donc on a une bombe. On a une clé qu'on utilise. Ok, il nous reste 2 clés, très bien. Et là, il y a un truc qui vole. Et là, ça doit pour me dire RB pour... Tiens, du premier coup, tu crois quoi? Ok. L'herbe, on peut rien faire. Non, c'est juste joli. Il n'y a rien là-dedans. Très bien.
Bonjour. Oh, il pique. Attends! Rends mon or! Ok. Ah! Bon, ils sont partis. Ils ont voulu piquer mon or. Hop. C'est mignon, j'ai un petit oiseau avec moi. Tiens. Tu crois quoi? Tu vas toucher à mon or? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai pas l'impression. Je pense qu'on peut avancer. Pour l'instant, c'est sympa en tout cas. Et Auroré qui sera bonne pour la troisième fois. Que du bonheur. Bisous. Et bim. Merci beaucoup, Auroré. C'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Ou des bottes. Alors, walk and jump on oil. Donc je peux marcher sur l'huile et sauter sur l'huile. Avant, je pense que l'huile, ça m'embêtait. Bonne chance, peasant. Ok, je vois rien de spécial. On est bon. Bon, bah c'est pas mal pour le moment. C'est pas mal. Ok, donc là... J'ai l'impression qu'il pop à chaque fois qu'il y a l'or, quoi. Mince, j'ai pas lu ce que ça disait. Oh, une bombe. Donc là, si je veux, une clé et il y a un coffre en bas. Donc on va utiliser notre clé. Ah, le coffre, c'est pour représenter un item. Alors, Gold Frenzy, gain temporary damage when picking... D'accord, quand je ramasse de l'argent, je gagne un boost de dégâts temporaire. Ok, bon, on va prendre. Et c'est marqué le type de boost sur le côté. Là... C'est un marchand ? Bonjour. Ok, 120. J'ai combien de thunes ? 125. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que tu voudrais rejoindre le programme de loyauté pour 1200 ? Non. Ça m'intéresse pas. Hein. Oh, quel dommage. Fais-moi savoir si jamais tu veux. Tu m'as pris pourquoi j'ai 120 ? Vraiment que je te donne 1200 ? On pourrait racheter une clé. Alors ça, à 150, qu'est-ce que c'est ? Drop a random chest. Ok. Et du coup, chest, ça veut dire item ou ça peut vouloir dire n'importe quoi dans un chest? Je peux casser ça? Ouais. On casse tout. Et du coup, je pourrais acheter une clé. J'ai plus qu'une clé. Vas-y, je vais acheter une clé. J'achète une clé. Pour l'instant, c'est le pif. Hein. Je vous préviens. Je ne garantis rien de mes actions. Oula! Mais t'es méchant, toi. Oula! Vite, avant qu'il me pique ma thune. Tout va bien. Tout va bien. Ah bah, je peux me healer. Alors attends, il y a de l'or au mur, là. Ah, peut-être en faisant ça. Non. On est d'accord, il y a de l'or sur le mur, là. Il y a ça. On ramasse. Ok. Tiens, tiens. Bombe. Oh, je veux pas bombe pour un petit peu d'or. Oh yes. Touche pas à mes sous. Ok. Bon, là tout est bon. Je pense pas avoir autre chose à faire. Ça s'est bien passé. Donc là, on va se mettre là. Et on va faire ça. Oh! Oh non, j'étais... Attends, dans l'eau? Yes. Oh, j'ai eu un achievement. Ok, donc le jeu est méchant. Maintenant, on le sait, le jeu est méchant. C'est un... C'est quoi cette icône en haut? Ok. Mais c'est méchant, ça. Je sais pas. Dans le doute... Bien, il n'y a rien d'autre. Et là... Oh! Le blacksmith! Il me reste combien de thunes? 85. Je vais pouvoir acheter ça. Weapon upgrade. Et ça augmente le dégât de mes swings. Attends, je vais vandaliser chez lui avant. Oui, un chest aussi. Blueprint discovered. Wayland's boots. Crafted at the blacksmith. Ok... Ok, j'ai acheté ça.
ça, je pouvais faire ça, on va lui parler maintenant. Eh, salut l'ami. Mon nom c'est Wayland, et je suis le forgeron. J'étais juste descendu ramasser des champignons quand un de ces tremblements a bloqué l'entrée de la cave. Mais c'est cool, j'ai une prescription... Ah, c'est concernant les champignons. Non, mais j'ai une ordonnance pour ça. Ok, très bien. J'apprécie vraiment que tu me fasses sortir de là. Viens me voir à la forge quand tu seras au sommet. Je te filerai le meilleur équipement possible. Je peux aussi te crafter des blueprints que tu trouveras dans le coin. Un petit peu comme celui que tu viens de piquer dans mon coffre. Mais bon, ça va. On va dire que c'est le paiement pour m'avoir libéré. Je te verrai à l'occasion, poteau. Ok. Donc on a trouvé, je pense que c'était la chose la plus importante à faire, c'était retrouver le forgeron pour le début en tout cas. Et on a deux chemins qu'on n'a pas fait. Alors là, on voit sur la minimap qu'il y a un autre chemin à droite et que là, apparemment, c'est fermé ici. Donc on va aller ici. Donc là, normalement, nos dégâts ont augmenté. Eux, je peux les... voilà. Est-ce que ça utilise une clé ou pas? Non, ça n'utilise pas de clé. Il veut piquer mes thunes. Tiens, pique pas mes thunes. On peut parler aux squelettes. Et j'ai trouvé une clé. Ils sont bien, les squelettes. Ok, je vois rien d'autre. On est bon. Bombe sur le mur en bois. Vous croyez? J'ai combien? J'ai que deux bombes. Vas-y, on va tester. Bon, j'ai trouvé une clé. D'accord, donc ouais, on peut bomber les murs en bois pour potentiellement avoir des cadeaux. Ok, bon à savoir. Donc là, je pourrais bomber celui-là, mais j'ai qu'une seule bombe, donc on va peut-être éviter. Encore une clé. Ok. Oula. Ok, donc si j'étais un PGM, je pourrais sauter au milieu, mais ce qui n'a apparemment aucun intérêt. Donc on va pas le faire. On va juste pas le faire. Oh, il y a un reflet dans l'eau, j'avais pas vu. Tiens, va-t'en. Ok, et donc là, on a fini le premier étage, c'est ça? Ah, je peux peut-être casser ça. Ouais, je peux casser. On est full life, on est bien, et on peut continuer de descendre. Allons-y. Alors, qu'est-ce que ça dit? Goldmine 3. Hop. On ramasse les sioux. Là, ça dit qu'il y a une porte avec une clé. J'ai 5 clés. On va y aller. Toi, tu prends pas de dégâts des pièges. Oh, c'est cool ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Ok. Bon, j'ai ramassé des cristaux violets. Par contre, ça a l'air d'être un petit peu... Non, c'est bon. Donc là, on a le marchand. J'ai que 135. Et il vend un truc à 300. Est-ce qu'on peut avoir des trucs au moins là-dedans? Parce que je détruis depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir des cadeaux? Pour l'instant, non. Ah si, de la thune. Ok. Donc une autre clé, mais il nous en reste 4. Free food at the shop right now. Ok. D'accord, mais bon, et la food elle est à 50. Je sais pas trop. Oh non. J'ai succès. Oh! Unlock. Ah, ça demande une spéciale key. Ok. J'ai laissé ce sorcier... me convaincre d'aller ici et regarder où ça m'a mené. Et si tu m'aides, je peux t'aider aussi. J'ai des skills utiles. Je suis un forgeron de bombes, un bombsmith, un fabricant de bombes. Ok, on va essayer de trouver ça. Là, il y aurait donc un cadeau. Et c'est une bombe mignonne comme tout. Bombushka. Bombs in bombs in bombs. Oh, ça sent
Oh, ça sent la loose, ça. Ça sent l'item de Isaac où quand tu fais une bombe, il y a plein... D'accord. C'était bien de savoir. C'était bien. C'était bien. Y'a personne? Ok. Oula, je suis pas prêt moi. Oula, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Ah non, je suis pas prêt du tout, je vais mourir. Ok, c'est le décès. Non mais je suis pas prêt. Mais non, moi je voulais libérer le Billy. Ok, faut que je saute plus. Oh mais non! D'où tu m'as touché? On voit pas bien les ombres au sol là. Bon, je veux pas être pessimiste, mais... J'étais pas prêt. Oh non! Oh vas-y! J'étais pas prêt. C'est un petit peu vilain quand même comme premier... Alors qu'est-ce que je peux faire? Mais non! Fallait pas me mettre ça tout de suite dans le jeu. Après si tu veux, c'est bon. Mais là j'étais pas prêt là. Les bombes tu les as zappées. Bah j'en ai mis une de bombe. C'est déjà bien. J'aurais pu en mettre deux. Alors, ça me dit ce que j'ai eu. Et du coup, sur les 60, sur les 140 gold, j'en garde 70. Et j'ai eu 4 thorium. Ça me dit les ennemis que j'ai vaincus, tout ça, et j'ai un schéma. Voilà. Lance ta hache. Et j'ai lancé plusieurs fois dans le fight. Après, si j'étais pas à l'aise, j'étais pas à l'aise. C'est le début. Ça sert à rien de me dire quoi faire. Tu veux la manette? Je sais pas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a un Billy qui est ici. Hey, c'est mon pote. T'es un peu plus grand maintenant. T'es pas aussi coloré. Pourquoi pas aussi coloré? Heureusement, merci de m'avoir donné un coup de main. J'ai nettoyé la forge et j'ai ajouté du nouveau matos sur le display. Regarde un petit peu, c'est que de la meilleure qualité, je te promets. Si tu trouves quelque chose, je te le donnerai et à tous tes potes, tu sais, au cas où, bah voilà, au cas où tu meurs, quoi. Je peux crafter des reliques, si tu trouves des blueprints dans la mine, apporte-les-moi. Ok, donc on a trouvé un blueprint dans la mine, et je peux lui casser tous ses pots, hein. Mais ça ne sert à rien. Alors, si je te parle... Les reliques sont des items peu puissants, d'accord. D'accord, il dit que c'est des trucs mystiques, mais il peut les crafter sans problème. Donc je pourrais crafter ça, mais ça me coûte 8. Après, est-ce que c'est un truc que tu craftes et que tu gardes tout le temps, ou c'est juste pour une run? Non, j'imagine que c'est juste pour une run. Ça m'étonnerait. Bon, là, on a les moyens que de ça, c'est quoi? Increase range damage. Augmente les dégâts à distance. Bah oui. On va complètement prendre ça. J'ai combien? J'ai 70. Hein. Et voilà. Ça par contre je crois que c'est du... ça reste. C'est de l'upgrade définitive. Tu gardes pas les crafts? Ah bon bah voilà. La réponse. Et du coup voilà, on a fini notre premier run. Ah il y avait plein de choses ici. Paysan, te voilà de retour.
avec blabla. J'ai rassemblé des items spéciaux qui pourraient t'aider dans l'Undermine. N'hésite pas à utiliser l'argent que l'or que tu mines pour payer. Mais ils resteront bien sûr la propriété de la compagnie. Ah, et ça par contre apparemment tu les gardes d'un perso à l'autre. Alors qu'est-ce que c'est comme type d'item ? Augmente l'efficacité de la nourriture, mais 2000. Ramasser les golds de plus loin. Et voir le nom et la vie des ennemis. Oh mais vas-y, je veux ça moi. C'est obligé ça. Hop. Les upgrades chez le forgeron, tu les gardes aussi. Ok. Après, n'hésitez pas à me laisser découvrir. Ouf. Crane, il te faut le sel. Oui, bah le sel, je l'ai eu là déjà. Donc du coup, là, on n'a même pas de clé. On n'a rien du tout. Et il n'y avait rien dedans. Ah, il y avait de l'or. De l'or. Et bim. Je sais pas si ça fait quelque chose de les frapper. Ok, on n'a pas de clé, on n'a rien. C'est la loose. On a une bombe. Ok, on va aller par là. Non, il m'a piqué ma thune. Il m'a piqué ma thune. Oh, la déception. Je me suis fait piquer de la thune. Oh. Ah non, j'ai cru qu'il y avait plein de bombes dedans, j'étais content. Et après j'ai vu Trapped. Oh, j'ai cru que j'avais trouvé un coffre avec plein de bombes, j'étais content. Oh. Ça brille. Vous croyez que... J'ai qu'une bombe, hein. Pour la science, ça fait penser à un truc à la Isaac. Pour la science. Oh. Bon bah voilà. Bon, je pense que ça sert à rien que je le fasse deux fois. Hein. Est-ce qu'elle était allumée au début? Ou est-ce que je viens de l'allumer en faisant ça? Ouais, on aurait dit une sacrifice room, c'est pour ça. Faut peut-être le faire plusieurs fois, mais j'ai déjà perdu des HP, on va s'arrêter là. Elle était éteinte? Ouais, donc non, ça doit être ça. Oh, ce talent! Non mais... C'est mes sous. Ok. Du coup, on est à 150 déjà, c'est pas mal. Tiens! Là, on va avoir un item. Ah! Attends, est-ce que ça veut dire que je tombe plus là? Oh là là! Oh, vas-y! Ça n'arrivera plus jamais pendant cette run. C'est PGM ça? Ça m'a l'air assez PGM. Par contre, je fais des plic-plocs dans l'eau quand même. 3 secondes trop tard, oui. Bon, par contre, on a 0 clé, 0. Ah! On avait 0 clé. On est à 170. Tiens, non. Je vois rien de spécial à aller chercher. Tiens! Bah oui, là je fais comment pour descendre du coup? Attends, si j'appuie pas... Ah non, tu peux pas. Ok. On a une clé. Et ça dit Goldmine 2. Ouh, des gros... Non. Ok, il y en a là. Il a voulu me piquer ma grosse pépite. 250, on a de la thune, c'est pas mal. Oh non! Ok.
110 HP. On n'a rien contre un petit heal à un moment. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose de particulier ou pas du tout? J'ai 0 bombe, 1 clé. Merci, Agnar, qui offre un abonnement à Juj le Vieux. Merci, Agnar, c'est très gentil. Bienvenue, Juj. Re-bienvenue. Oh non. Oh non, attends. Attends. Ah mince, j'espérais qu'il tombe dans le vide. Ça marche pas. J'ai tenté les strats, mais ça n'a pas fonctionné. Oh! Et là, ça a fonctionné. De ouf. Ça fait du bien, ça. Par contre, là, faut deux clés. J'en ai qu'une. Ah, une bombe, j'en avais pas. Une clé. J'ai une clé, une bombe. Ah! Heureusement, le petit oiseau, il a... Tiens! Tu crois quoi? Tiens! Ah, ah non! On est d'accord, ça ne sert à rien de détruire ce tonneau. Alors, on a le choix. On a un item ou on a un shop. On peut se dire... Là, on achète une clé. Non, on va aller prendre l'item. L'item, c'est plus important. Alors, death at 90 degrees. La mort à 90 degrés. Ça sent l'arnaque, ça encore. À chaque fois qu'il y a des trucs sur les bombes, ça sent l'arnaque. Vox bombe. Et ça me file une bombe. Donc voilà, mes bombes ont été modifiées. Et on n'a pas de clé pour le shop. Ok. Ok, c'est quoi qui m'a... Oh non. Ouais. Vite. Alors, on a deux chemins. Donc ça, c'est la fin. Donc logiquement, il n'y a pas d'ennemis. On peut regarder s'il n'y a pas une clé ou je sais pas quoi. Non, il n'y a rien. Ah. On n'est pas bien niveau vie. Hein. Oh, mais vous devriez tirer plus vite encore. Mais non! Tu veux me donner de la vie? C'est bon, on a tout vu. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Temporally increase swing damage. Non, j'aurais préféré... C'était rouge. C'était une potion de soin, ça. Ha! Du coup, je pourrais tenter de bomber ce mur. Je suis pas bien, là. Je suis pas en forme. Hein. Je peux tenter de bomber ce mur. Comme ça, on voit... Oh, yes! Je le savais. Ok, il y a de la bouffe. Il y a un truc à 150 que je sais pas ce que c'est. Vas-y, t'aurais pu mettre de la bouffe là-dedans. Alors attends, qu'est-ce que ça fait? Transforme toutes les reliques dans la pièce. Bon, on va prendre ça. Et on va prendre ça. Plus 20, c'est tout. Bon, bah voilà. Je le sens bien, ce troisième étage. Hop. En principe, la portée a déjà été améliorée avec les gants. Ouais, c'est pas par là. En tout cas, le jeu est très bien. Je sais pas ce que ça donne pour vous à regarder, mais pour moi, à jouer, c'est très très sympa. Un peu difficile au début. Mais ça va venir. Pas assez de sel. Ah bah je sais pas ce qu'il te faut, j'arrête pas de t'en prendre plein la mouille. Je vais mourir dans 2 secondes. Tu veux quoi comme sel en plus? Tu veux que je pleure? Je sais pas si ça sert à quelque chose que je détruise tout ça depuis tout à l'heure. Ah mais en fait, ce qui est assez... il faut vraiment prévoir par rapport au temps où t'es bloqué en animation. Ok, donc là ça devrait aller mieux. Non, je suis allé dessus. Non, j'ai 8 HP. Mais non. Une porte avec une clé. On va essayer de pas mourir sur les pics. Au moins j'ai de la thune. J'aurai de quoi acheter les lunettes pour le prochain run. Il n'y a rien d'autre, j'ai qu'une seule bombe, j'ai 2 clés.
Tu dis décès dans la prochaine salle? C'est pas très très gentil. Non! Mais pourquoi tu te retournes de l'autre côté? Saute! Allez, plus qu'un! On peut survivre pour toutes les mauvaises langues qui avaient dit que j'allais mourir dans cette pièce! Voilà! Prends pas les piques, prends pas les. Oh, une autre clé! Ne pas mourir des. Ne pas prendre les piques, ne pas prendre les piques. Voilà, ne pas prendre les piques. Là, il y a des piques. Prends pas les piques. Ok, j'ai pas pris les piques. Tout va bien. Est-ce qu'on voit autre chose? Non. Donc là, il y a un item. Je ne peux pas tomber dans le vide. Donc, tout va bien. C'est un miroir. Retourne projectile with an attack. Comment ça? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, je peux renvoyer les projectiles en attaquant. Oh, je peux faire ça et renvoyer les projectiles. Ok, j'ai bugué pendant un moment. Ah, en attaquant, tu renvoies, oui. Donc là, il n'y a rien en bas. Bon. C'est quoi? J'aime pas trop le point d'interrogation, là. Le point d'exclamation. Ah, c'est lui encore. Tu veux pas mettre de la nourriture dans les champignons? Je peux pas les manger, les champignons? Je suis sûr que c'est très nourrissant. Oh, marché. Oh, c'est beau, attends, je peux te reparler. Et requiert une clé spéciale, tout ça, c'est le même dialogue que tout à l'heure. Mais est-ce que ça veut dire que je dois réaffronter le même truc? Parce qu'à 8 HP, j'y arrive déjà pas en étant full life. Oh, il y a une promo! Ça, c'est quoi, ça? Voilà! Alors attends, combien de temps ça dure? 20 secondes. Je serai jamais full life en 20 secondes. Non, vas-y, on va acheter ça aussi. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Attends, ça dit quoi ça? Sale. Ah, ça, c'est quand il y a des promos. Et là, on n'a rien eu. Bon, bah 50. Par contre, j'ai plus aucune thune si je meurs juste derrière pour. Je sais pas si. Enfin, on va voir ce qu'il y a là-haut. Bon, ça, on est d'accord, on s'en fout, hein. Il est très très bien où il est, hein. C'est un très joli coffre qui restera très très joli où il est. Est-ce que c'est le même boss en bas, c'est lui qui file la clé et je vais mourir comme un caca? Tu voles? Non, je vole au-dessus des trous, je. Tu passes pas au-dessus avec tes bottes? Non, je pense pas, non. Je pense pas que les bottes flottantes évitent les piques. Clé spéciale dedans. Oh, t'es dur. Vous croyez que je peux sauter dessus? Oh non! J'avais réussi! J'avais réussi! Oh non! Bon, finalement, ça va, c'était. Ça va. C'est pas grave. Tu peux avoir la bombe? Il y a une bombe? Comment ça, tu peux avoir la bombe? Il n'y a pas de bombe. Au marchand? Oui, mais je veux garder des sous un peu. Oh non. Ça s'est fermé. Si, c'est la même chose. Je suis obligé. Oh non, mais je suis pas. Mais non.
Mais il a refait son attaque direct derrière. Ah d'accord, il le fait, il y a absolument pas de pattern 1, 2 ou 3. Oh bah là j'ai tout pris là. Non mais c'était méga punitif quoi. Non non. Ah d'accord, je me suis tué ma propre bombe. C'était bien. C'était bien. Elle était bien placée tout ça. C'était bien. Je l'avais dit hein. La bombe. Les améliorations de bombe. C'est nul. Bon bah... Il y a un moment, j'ai pris un enchaînement, j'ai tout pris à la suite. Plus j'ai que 46, je peux rien acheter. Est-ce qu'il y a des promos ou quelque chose? Je pense qu'il faudrait que je fasse de la thune et que je dépense rien. Et que je prenne des améliorations. Il coûte combien le jeu? Je crois que je l'ai payé celui-là. J'ai envoyé des messages aux devs, mais ils m'ont gentiment ignoré. J'ai même fait une demande sur Keymailer où normalement on peut demander la clé, etc. Même peut-être pas. Et du coup, message privé sur Discord, tout. Et du coup, bah, je l'ai acheté parce que j'avais envie d'y jouer. Donc là, on a direct une clé, c'est cool. Après, moi, j'aime pas l'endroit. Il faudrait peut-être que je change la touche. J'aimerais bien que cette attaque-là, elle soit sur Y et pas sur... C'est bon, j'ai tout récupéré. Oh ! Oh non ! Mais j'ai cru qu'en le frappant, j'allais gagner une bombe ! Mais il est méchant, le jeu ! Ah, ça brille, là. Mais j'ai pas de bombe. Par contre, on est d'accord, ça brille. Hein. Là, il y a un truc. Là. Mais à quoi ça sert de mettre un ennemi qui s'enfuit avec un visuel de bombe que tu peux ignorer pour, au final, si t'arrives à le choper, qu'il t'explose dessus? Bah oui, ça le secrète, c'est gentil, mais j'ai pas de bombe. Ah, c'était justement, il aurait fallu que je le tue par là, quoi. S'il y a une bombe, faudra revenir. Je pense qu'il faut que je saute beaucoup plus aussi. Ok. Pas de bombe ? Non, pas de bombe. Tiens ! Ouais, ils font pas de dégâts, c'est cool. Tiens ! Tiens ! Ici, on a un cadeau. Oh, c'est nouveau. Je peux casser tous les... Vas-y, je casse tous les pots, je suis un ouf. Attends, c'est peut-être un truc qui donne des trucs dans les pots. Oh, gardez toute votre or quand vous mourrez. D'accord, donc ça c'est bien ça. Ah, du coup on va réfléchir à deux fois avant de le dépenser. Est-ce qu'il y a des bombes dans les herbes? La run nos dépenses, ouais. Si elle pouvait éviter de s'arrêter trop vite. Donc faut que je me rappelle que... Ok, c'est bon. Que je n'ai pas l'item pour envoyer. J'aurais bien aimé trouver une bombe avant la fin. Oui ! On va pouvoir aller voir la salle secrète. Je pense que la salle secrète, c'est mieux. Enfin, quoique, elle était un peu pourrie, la salle secrète, tout à l'heure. Donc la sortie, c'est là-haut. Si ça suit la même logique, il n'y a pas d'ennemis dans les sorties. Donc je peux aller voir ce qu'il y a. La réponse, c'est rien du tout. Donc, on va aller voir la salle secrète. Hop. Ce jeu, c'est de la bombe, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, il est bien. Salut, Alemzo. Nouvelle trouvaille, oui. Undermine. Tac. Vite, vite, vite. Vas-y, fais-moi rêver. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une musique classe? Alors... On va prier. Remove a curse qui coûterait de la vie. Deal more swing damage. Increase maximum health.
On veut quoi? C'est quoi la petite tête de bonhomme? C'est une malédiction du coup? Et tu peux l'enlever avec ça? De la force? Allez. Donc je suis cursed. Et... c'est quoi ma... ah bah c'est une renou, on veut pas acheter d'items. Ça tombe bien. Augmenter le coût des items au shop. Parfait. Parfait, on veut garder notre argent. Bah c'est pas mal finalement. C'est pas mal. C'était pas mal. Et merci Kern pour le host, les bisous. Merci, merci, bienvenue à ta commune. Je sais pas comment on prononce ton pseudo, je sais pas, je me suis pas trompé. Kern. Je ne sais pas comment. Mais ça commence par un K et ça finit par un N, donc c'est obligatoirement classe. Je découvre le jeu, hein, si vous venez d'arriver. On dit Kern. Tu l'as pris? Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris. J'ai pris quoi? Je sais pas, j'ai pris des choses, oui. J'ai pris mes jambes à mon cou. Oh oui. Oh, de la déclé. C'était bien, cette première salle, là. Non, non. Il a voulu me piquer ma thune, hein. Hop. C'est bon. Tiens, t'as rien pris. Y'a rien qui brille, y'a rien au mur, ça a l'air d'aller. Ah non mais eux... et... oh c'était bien ça. Voilà, ça j'aime bien quand ça se passe comme ça. Et là on a un item, ça tombe bien, on a des clés, allons-y. Est-ce que j'ai quelque chose à casser ici? Apparemment non. Et... ah, un fouet. Fouet sur Isaac c'est du DPS. Découvrez plus de salles au trésor. Non, là c'est plus en référence à Indiana Jones. Et moi je veux des salles au trésor, j'adore ça. Ah, des thunes, yes. Y'a rien qui brille au mur. Non, on peut y aller. J'ai toujours zéro bombe par contre. Ok. Ok, ça se passe bien là. Ça se passe très très bien. Alors attends. C'est des pièges, ça? Donc c'est la pire idée du monde que... ok. Ah, c'est les trucs des pièges qu'on voit là. Et là, si je fais ça. Oh yes! J'ai encore marché sur un piège? Ah, c'est les petites bestioles qui ont marché sur le piège! Ok. Donc ça, en fait, c'est... d'accord, on voit le piège. Ah bah, il y a un nouveau truc, il va falloir faire attention, dis donc. C'est une bonne nouvelle. Ok. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux pas le détruire, ce joli morceau de viande végétale. Ici. Donc on sait qu'on va probablement rien acheter. Ah non, tout est plus cher, d'accord. Y'a rien. Bah y'a rien. On est à combien? 321 de thunes, on va pouvoir se faire plaisir après. Vivement que je meurs. Non. Ok, donc on n'achète rien. On est full life. Oh, va falloir refaire le même mob. Oh non. Ah, mais je me suis pas fait toucher en fait. On ouvre. Ok. Et il n'y a rien de spécial. De toute façon, j'ai pas de bombe, j'ai trois clés. Bon, on est pas mal. On est pas mal. On va finir cette étage full life. Et ça, c'est beau. Hop. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien non plus. Ok, bon, ces deux premiers étages sont très très bien passés. Le problème, c'est le mob du troisième. Allez, Jean-Jacques 3. Hop. Tiens. Non. Mais tu crois quoi? T'es pris pour qui? T'y as cru un seul instant que t'allais prendre ma thune 421. Alors, ça donne quoi cette découverte du jour? J'aime beaucoup.
Hop. Ah mince, il y a une, j'avais pas vu. Mais non, de l'autre côté. Alors, des fois, ils se tournent tous. Ah, je pense que c'est mon stick. Je pense que c'est mon stick. Oh, j'avais pas vu, il a pris mes sous. Ouais, il doit y avoir un truc. Là, vous avez vu, il s'est retourné tout seul. Hop. Jean-Jacques Goldmine, trop fort. Oh, elle était facile. Vous n'allez pas me dire que je suis le seul à y avoir pensé. 466. En bas, il y a un item. Oh, un nouveau truc. Oh, ça a l'air bien, ça. Faut really fast. Sonic Boom. Est-ce que je fais Sonic Boom quand je le fais? Et donc, là, c'est vachement plus rapide. C'était pas... C'était... D'accord. Hop. Il n'y a rien qui brille. Alors, je l'ai fait tout à l'heure, je ne suis là que pour faire des blagues à longueur de soirée de toute façon. Oui. Donc la salle là-bas. Je vais copieusement t'ignorer. Mais il va falloir que je refasse le mob, je veux pas. Il roule partout, il est trop dur. Attends, on va faire le maximum de thunes en attendant. Oula, 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 oula. Oh, ça sent tellement pas bon. Oh, ça sent tellement pas bon. Oh, je me suis avancé exprès parce que tout à l'heure, c'était derrière. Ok, tout va bien. Oh, j'ai gagné une clé. Oh, c'est sympa quand tu te donnes une récompense derrière. Tout va bien. Enfin, une bombe. Hop, il y a un mur, magique. Ok, qu'est-ce qu'on a en bas? En bas, on a un shop. On va déjà aller voir ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était ma seule bombe. Peut-être qu'il faut le bomber, le truc. Il faut une bombe? Ah, bah tant pis. Tant pis. De toute façon, non, j'achète pas de... Oh, c'est quoi? Find old gross food in chest. D'accord, dans les... Ouais, ça me donnerait de la nourriture dans les coffres. Je vais devoir aller affronter l'autre. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Ok. Alors, attendez. Là, on a une bombe. J'ai trois clés. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Absolument rien. J'ai qu'une seule bombe. Blessing. Augmente. Oh, augmente la vie. Oh bah oui. Ok. Bon, ça sent l'arnaque, hein. Ça, t'as mis un timer, le cristal, dans tes boosts. Oh! Attends. It will open with lightning. Oh, vite! 30 secondes, attends. Oh, vite. Non, mais jamais. Vite! Non! J'ai des dégâts de foudre! Vite! 20 secondes! Vite! Oh vas-y, j'avais réussi à gérer.
Mais pourquoi il s'est bloqué comme ça? Allez, 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 c'est la bonne. Faudrait que j'arrive à viser avec le truc. J'arrive pas. On est bon, on est bon, on est bon, ça va faire, allez. Mais non! J'arrive plus à le toucher! Non! Oui! Allez! Y'a personne qui va me piquer ma thune. Artifact Discover, Prisoner's Key. Ah bah c'est la fameuse clé. Yes. Alors, Coltouf. D'accord, un truc pour le blacksmith. Shadow's Fang. Ok, pareil. Ah bah voilà. C'était un peu facile, non? Non mais ça va, en vrai c'est pas dur là. Hein. Mais c'est juste que ça me met la pression parce que c'est le début du jeu. Merci pour l'aide, copain. Je suis content de sortir de cette cage. Direction le sommet. Fais pas confiance à ce sorcier. Je fais pas confiance à ce sorcier, mais j'ai nulle part où aller. Sois sûr de me rendre visite. Je peux upgrade ce que t'appelles des bombes. C'est pétard que t'appelles des bombes. Ok, bah on a, c'est cool. On a un nouveau copain. Une mimique en forme de roc. All in the hell did it fashion. Comment il a réussi à faire une cage avec une serrure et une clé? Tellement de questions. Mais j'ai trop faim pour m'intéresser aux réponses. Prends ça, ça devrait t'aider dans ton voyage. On se reverra. Ok, j'ai bien fait de lui reparler. Alors, j'ai une bombe pour la salle secrète. J'ai loupé une autre salle secrète? Non, j'y suis allé dans la salle secrète. Retourne à la salle. Ah, la fameuse salle. La salle où il fallait une bombe. Ah, ça. J'avais oublié. Ok. Hein? Augmente-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je me suis fait maudire. Oh, mais en plus, c'est très très nul. Oh, je frappe tout doucement maintenant. Oh, vas-y, c'est nul. Oh, c'est nul. Par contre, j'ai 4 bombes. Alors, attends. Si je mets une bombe ici, entre les deux, qu'est-ce que ça donne? Oh non, c'était trop... D'accord, j'ai pas réussi à ouvrir celui-là. Et j'ai perdu une bombe. Bon, je vais... Je suis pas très content. Ouais, le lancer de pioche reste rapide, mais j'avoue qu'à la manette, le lancer de pioche, c'est pas terrible. Parce que j'ai beaucoup de mal à viser. C'est un bon argument pour jouer au clavier, je pense. Mais c'est très agréable à jouer à la manette, sinon. Ok. Bon, en tout cas, c'est la première fois qu'on va si loin. On a 976 de thunes. On a l'artefact qui fait que on perd pas de thunes. Donc, on prendra un joli up derrière. Nouveau une clé. Waouh, c'est méga lent. C'est méga lent. 1001. Yes. Si je trouve pas un moyen d'enlever cette malédiction, je suis mort. Hein. Ok. Donc, aucun indice sur... Est-ce qu'on fait les rooms sur le côté? Oula! On va se calmer, oui. Oula! Oh non! Il y en a partout! Elle en balance 3!
Oh non, mais je vais mourir. Attends, si au moins j'arrivais à me débarrasser de... Non, mais j'arrive pas à viser avec la manette. Bon, c'est pas possible avec la malédiction. Hein. De toute façon, je suis quasiment mort, là. 6 life, on est large. On va prendre ça, déjà. Bon. Est-ce que ça sentirait pas le décès dans la prochaine room? Bon, 1076, déjà, on est bien. Hein. Mais vas-y, il y avait un item, là, normalement. Quelqu'un qui a pris l'item. Et c'est pas moi. Vous voulez que j'essaye de mettre une bombe ici ou... pousse une statue? Je sais pas si c'est possible, tiens. Une bombe entre les deux pour voir. Ouais, j'hésite à bomber les statues. Ok. On dirait qu'il manque une statue. Bon, de toute façon, je vais mourir, donc autant faire ça. Oh oui. Oh, de la vie, même si c'est... Oh non! Non, hé, ah non! Non, 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 non! Ouf, c'est bon. Ok, donc fallait bomber les deux. Par contre, j'aimerais bien comprendre comment bien mettre les bombes, parce qu'à la base, moi, j'étais entre les deux statues, je voulais mettre la bombe sur les deux, pas deux bombes, quoi. Bon, on a 26 HP, d'un seul coup, on revit. On est très très large. On remerciera beaucoup ce dispositif qui nous a bien aidé. Merci beaucoup, petit dispositif. Oh, il y a deux salles fermées, j'ai 3 clés. Si on arrive à survivre à cette salle, je suis sûr qu'il y a des cadeaux. Oh, ils ont l'air méchants. Yes! Yes! Oh, un anneau! Augmente les dégâts du swing. Bah, c'est ce qui est bien. Mais pas s'il n'était pas à 2 à l'heure, quoi. 1141 de thunes. Faut quand même aller voir. De toute façon, j'ai encore une clé. Avec un peu de chance, peut-être y avoir de la bouffe là-dedans. Je suis partagé, hein. Qu'est-ce que ça fait, ça? Plein de bombes. Évite de tomber dans les trous. Et de la bouffe. Moi, je suis pour on se heal pas et on meurt. Hein. Le but, là, c'est que je garde un maximum de thunes, même parce que c'est que 20 HP, quoi. Je suis pour on se heal pas et on accepte la mort. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est que 20, ouais, c'est que 20. Vu qu'on a l'artefact qui nous fait garder full thune, ça va nous donner un up tellement ouf. Je pense qu'on va pas heal. On va aller voir par là. Oula! 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 Oulala! 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 C'était quoi cet œil? Je trouve les ennemis un peu durs quand même. Je les trouve un petit peu durs. Mais 1141, ça devrait nous faire un très très joli up. Oh! Alors attends, qu'est-ce que c'est? Augmente les dégâts des bombes. Est-ce que ça reste tout le temps? Ou pas? Ça, j'ai pas assez, mais qu'est-ce que ça fait? Ah, oh, c'est pour... Ah, oh, c'était peut-être pour casser les... Oh, les fameux trucs qu'on n'a pas pu casser. Je peux pas lui parler, Obili, par hasard? Ah si, je peux lui parler. Attends, j'ai vu un talk. Me mens pas. Je l'ai vu, le talk. On est d'accord?
Ouais, il y a eu... Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Ouais, belle deuxième run, c'est déjà pas mal. Bon, je pense qu'on va complètement acheter ça. Ok. Ça, c'est peut-être pas une priorité. Donc maintenant, on peut voir le nom des ennemis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? 400, qu'est-ce que c'est? Counterweight upgrade, increase throw range. Ça augmente la portée de lancer. Je perds moins de thunes quand je meurs. Et ça augmente la vie. Allez. Ah mais je suis limité en plus. Ah non, il en met d'autres à la place. Mince. Oh non, j'ai cru que ça repopait pas. Bon, ça c'est quand même bien ensuite. J'ai bien envie de bourrer les dégâts hein, quand même. Hein. Bah le prix augmente, oui, c'est logique. Oui. C'est logique, c'est logique. Ouais, le sac, ça m'a l'air bien quand même. Mais après, ça passe à 400. Plus 5% par up. Il me reste 491. Je suis quand même curieux de savoir s'il peut y avoir des trucs dans ces... En tout cas, là, pour l'instant, il n'y a rien. Le dégât, c'est quand même bien. Bon, après, j'ai deux augmentations de dégâts là, deux augmentations de dégâts là, une seule augmentation de vie. Le sac encore. Allez. Allez. 750 après. Et on a 75. Bon, on va prendre ça. Je sais pas si ça reste. Mais autant vendre la thune. Ouais, j'ai des crafts aussi, mais je veux pas forcément les faire, les crafts. Les crafts, c'est autant les garder pour une meilleure run, non? Sustain yourself on gold. Je sais pas trop ce que ça fait. Plus de chances de crit. Bah le truc c'est si ça je les garde pas, j'ai pas spécialement envie de les crafter pour le moment quoi. Ah peut-être que quand je mange l'or, ça me heal ouais. L'or redonne de la vie ouais. Mais bon si c'est temporaire, j'ai peut-être pas envie de les crafter quoi. Ah le craft après tu débloques pour le donjon. Une fois que tu as fait les crafts, tu peux trouver les objets dans tes prochaines runs. Ah, ça change tout. Ça change tout. Plus de chances de crit, ça a l'air très très bien. Mais ça vaut 15. Ceci dit, je peux prendre les deux. Soit je prends que ça, soit je prends ces deux-là. Bon, autant débloquer un maximum de trucs alors. Ouais, le sustain a l'air fort, ceci dit. Bon, allez, vas-y. Donc là, je le trouve. On verra. Ok. Et il me reste 91. Et soit je pars avec 91. Bon, ça doit être des upgrades qui restent aussi. Donc on va prendre. Et ouais, en effet, il y a un autre bombe damage derrière. Bon, bah voilà, on est pas mal. On est pas mal. Et on est parti pour repartir à l'aventure. C'est tout bon? Bon, qu'est-ce que vous en pensez sur le chat de ce jeu? Avant qu'on conclue la première partie, même si je vais continuer après pour le live, mais pour les loulous de YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Sympa, intéressant, très très sympa, cool, fun, il est sympa. Trop cool, ça me fait penser à Hunter the Gungeon. Un peu grindy, mais sympa. Mais justement, moi j'aime bien ça, tu me mets un jeu où à chaque fois, je sais que je vais revenir un peu plus fort. Cool, j'aimais déjà et j'aime toujours, très prenant. Bon bah content que ça vous plaise parce que ça me plaît beaucoup, j'ai envie de continuer. Allez, des bisous à tous les glous de YouTube, on vous laisse là pour la VOD et nous on enchaîne sur le live. Ciao ciao.